Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Dieu nous permet de faire ce programme de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. Et c'est un programme qui est vraiment hautement spirituel. Un programme hautement spirituel. Ça nous permet de rester éveillés spirituellement. Jésus a dit « Veillez et priez ». Nous savons que les fins d'année, les débuts d'année sont des saisons. Et les serviteurs du diable veulent nourrir leurs autels avec du sang humain, avec les grâces des autres, avec les bénédictions des autres. Ils doivent sacrifier quelque chose à leurs autels. Et nous, nous voulons que nos familles soient protégées par le sang de Jésus, qui est l'autel par excellence qui parle pour toutes les vies. Christ est mort pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons libérés de l'enfer, libérés des jougs, libérés de la mort, de la malédiction, des maladies. Donc nous voulons prier pour que le sang de Jésus couvre nous et nos familles, nous et nos maisons. Donc le programme Haute Tension Spirituelle nous permet d'être hautement spirituel. Alléluia. Alors, le thème général, c'est notre Père qui est aux cieux. Et cette semaine, nous sommes à la 8e semaine. Chaque semaine a son thème. La semaine passée, on a parlé de « Ne nous soumets pas en tentation ». Et cette semaine, nous parlons de « Mais délivre-nous du malin » ou bien « Mais délivre-nous du mal ». C'est pareil. Alors, mes frères, mes sœurs, c'est une prière. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal. C'est une prière à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu qui délivre du malin. C'est Dieu qui délivre des œuvres du diable. C'est Dieu qui délivre du mal. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. Tu ne peux pas toi-même te libérer des pièges du monde des ténèbres. Tu ne peux pas toi-même te délivrer. C'est Dieu qui délivre du malin. Tu ne peux pas lutter toi seul, toi-même, contre le diable. Parce que le diable, il est esprit. Mais Dieu est esprit et Dieu est plus puissant. Donc, il nous dit de lui adresser la prière. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal. Ça dit quoi? C'est pas ta prière que Dieu va agir dans ta vie. Ta vie, là, c'est Dieu qui te l'a donnée, mais elle t'appartient. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si tu ne l'invoques pas. Dieu agit selon sa parole. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose si tu n'as pas envie toi-même d'être délivré. Dieu ne peut pas libérer ta vie si tu ne cries pas à lui. Ça veut dire que ta situation là te plaît. Dieu peut voir ta souffrance, mais il doit entendre tes cris. C'est-à-dire, tu dois demander la délivrance. Sinon, certaines personnes sont chargées, mais elles n'ont pas besoin qu'on les délivre. Elles n'ont même pas besoin qu'on les décharge. Quand même tu veux les aider, elles ne veulent pas. Elles peuvent même te faire du mal. Ça veut dire que ce qu'elles ont comme charge, là, ça leur plaît. Elles vont te dire, de quoi je me mêle? Donc, Dieu ne peut pas te délivrer si tu ne l'invoques pas. Dieu ne peut pas te délivrer si tu ne demandes pas ce qu'il te délivre. Il voit ce que tu vis. Il voit ce que tu traverses. Mais dans sa loi, tu dois l'invoquer. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Donc, il ne peut pas aller en dehors de sa parole. Maintenant, il y a des choses que Dieu accorde par grâce. C'est la pure grâce. Tu n'as pas demandé, mais Dieu te l'accorde. Il donne le soleil et la pluie à tous les hommes, bons comme mauvais. Chacun reçoit les mêmes conditions. Il donne 24 heures à tout le monde. C'est chacun qui gère comme il veut. Si tu veux, tu es paresseux. Si tu veux, tu travailles. Si tu veux, voilà, tu fais le mal. Si tu veux, tu fais le bien. Mais à la fin, chacun va rendre compte. Mais pour l'instant, c'est ton temps. Tu fais de ça ce que tu veux. Donc, Dieu ne peut pas agir dans notre vie si on ne l'invoque pas. On doit une bonne fois pour toutes comprendre cela. Pourquoi Dieu voit, il ne fait rien? Jésus a vu comme ça Bartimée, il est aveugle. Jésus voit qu'il est aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mes frères, mes soeurs, ce sont des principes. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant ou bien Dieu est mauvais. Dieu t'a créé libre. Lui-même Dieu, là, tu peux le refuser. Parce qu'il t'a créé libre. Il a dit à Adam et Ève, je mets devant vous la mort et la vie. Ça veut dire que vous êtes libres.
Mais moi, je vous conseille de choisir la vie. Ils ont choisi quand même la mort. Donc, juste toute leur descendance là, c'est la mort. Maintenant, Dieu donne une solution pour que quiconque dit que moi, j'ai hérité de la mort à partir de mes ancêtres, à partir de Adam et Ève, mais je veux moi la vie. Donc, je peux accepter Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Mais même là encore, certains refusent. Donc, chacun est libre. Les animaux n'ont pas le choix parce qu'ils ont l'instinct. C'est déjà prédit, c'est déjà calculé, c'est en eux. C'est ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas le choix. Mais nous, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois prier tous les jours. Et la prière, ce n'est pas que tu as invoqué hier et puis c'est fini. Non. Dieu veut une communion quotidienne. J'ai déjà prêché là-dessus. Ceux qui prient une fois par mois, là, ça c'est la prière mensuelle. Toi, tu prends ton pain de manière mensuelle. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il ne dit même pas un pain hebdomadaire. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, et puis tu pries. Dieu veut que tu pries chaque jour. Chaque jour. Et il a donné cette prière à notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut répéter cette prière à tous les jours. Parce qu'après lui-même, Jésus-Christ l'a prié, il n'a pas répété ça. C'était un modèle de prière pour dire que voici ce que vous devez demander quand vous priez. Tu peux le dire dans d'autres mots, d'une certaine manière. Mais Dieu veut que chaque jour, tu lui dises, délivre-moi du malin. Délivre ma maison du malin. Délivre-moi du mal. Seigneur, je t'invoque. Que ta puissance soit dans ma vie. Que ta lumière soit là. Parce que le malin, le diable, le mal, ce sont les œuvres des ténèbres. Or, Dieu est la lumière. Et c'est de manière spirituelle. Donc, tu ne vas pas prendre une lampe physique pour pouvoir faire disparaître les ténèbres de manière spirituelle. C'est la présence de Dieu. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière de la vie. Il est la lumière spirituelle. C'est la lumière que Dieu a envoyée aux hommes pour que les ténèbres libèrent leur vie. Donne ta vie à Jésus et invoque-le tous les jours. Délivre-moi du malin. Délivre-moi du mal. Délivre ma famille. Délivre ma maison. Délivre ma nation. Délivre-nous du malin ou délivre-nous du mal. C'est le thème de cette semaine, la 8e semaine de notre programme de prière dénommé « Haute tension spirituelle ». Mais délivre-nous du malin. Ou alors délivre-nous du mal. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne peut pas te délivrer si tu ne l'invoques pas. C'est une prière qu'on dit « délivre-nous du malin ». C'est une prière. C'est une invocation de Dieu pour dire que tu ne peux pas te délivrer toi-même. Tu ne peux pas lutter contre le diable de toi-même. Tu ne peux pas combattre les œuvres des ténèbres qui te combattent là, de toi-même. Ce sont des choses spirituelles, mais qui agissent sur la vie physique. La Bible dit, ce qui est visible a été créé par l'invisible. Ce qui est physique a été créé par ce qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. C'est le surnaturel qui crée le naturel. Donc, tu ne peux pas toi-même combattre le monde des ténèbres. C'est un monde spirituel. Donc, tu dois invoquer Dieu. Parce que la solution contre les ténèbres, c'est la lumière. Dieu est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Tu as besoin que Dieu éclaire ta vie. Tu as besoin que Dieu te guide. Tu as besoin qu'il te montre ton chemin. Tu as besoin qu'il te précède. Et qu'il ouvre les portes devant toi. Portes, élevez vos linteaux. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Parce que de manière spirituelle, les portes sont fermées. Les portes des grâces sont fermées. Les portes des bénédictions sont fermées. Les portes de la santé. Les portes des finances. Les portes du mariage. Les portes de l'enfantement. Tout ce que Dieu a prévu comme bénédiction dans la vie des hommes là. Les portes se sont fermées quand il y a eu le péché. C'est pour ça que Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire, ce que tu vas proclamer, ça va s'accomplir. Mais pourquoi il dit, il va nous donner les clés? Et il a dit, je te donnerai, parce qu'il n'était pas encore mort.
Mais à Golgotha, il a dit, tout est accompli avant de rendre l'âme. Avant de mourir pour nous, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'on a reçu les clés du royaume. La clé pour le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais pour les autres bénédictions, là, le Seigneur dit, il y a des clés. C'est comme si on t'avait donné un trousseau. Donc, ça veut dire que ces portes-là sont fermées si on nous parle de clés. Mes frères, mes sœurs, tu dois prier tous les jours. Demande au Seigneur de te délivrer des œuvres du malin. Le malin qui est le diable, le malin, c'est Satan. Invoque Dieu. Que sa puissance te délivre. Et on doit l'invoquer tous les jours. Tout mal qui guette nos vies, tout mal qui est en nous-mêmes, tout mal qui agit à travers nous contre la vie des autres, tout mal qui détruit nos propres vies, tout mal qui détruit nos propres vies, qui détruit nous-mêmes nos opportunités. Tu dois faire cette prière-là. Seigneur, délivre-moi du mal. Seigneur, délivre-moi du malin. Ça dit que le malin, là, il agit par tes propres mains. Le malin agit par toi-même pour détruire tes choses. Tu détruis tes relations, tu détruis ton travail, tu détruis ta relation avec ta famille, tu détruis tout. Le diable peut utiliser tes propres mains pour détruire ta vie. Dis au Seigneur, délivre-moi du malin, délivre-moi du mal, délivre-moi des œuvres des ténèbres, que je ne sois pas mon propre ennemi. Lisons Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9, le passage de base de notre programme de prière dénommé « Haute tension spirituelle ». Alors, Matthieu 6, à partir du verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est le thème de cette semaine. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 C'est une très, très belle prière. Ce sont des paroles profondes, des paroles qui contiennent la vie. Donc cette semaine, le thème c'est « Mais délivre-nous du malin ». C'est une prière, mes frères, mes sœurs. Délivre-nous du malin ou bien délivre-nous du mal. Nous sommes en haute tension spirituelle. Rejoignez-nous. Ça dit, ce sont des prières intenses. Ce sont des proclamations. Ce sont des passages bibliques à méditer. Et à partir du 8 janvier, on rentre en jeûne. Un chrétien doit prier tous les jours. Même si après, on n'est pas dans le programme de prière. Un chrétien doit prier tous les jours. Un chrétien doit lire la Bible tous les jours. Un chrétien doit recevoir des enseignements, la parole de Dieu tous les jours. Pour que tu sois en communion avec le Seigneur. Une communion régulière. Parce que Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Dieu a toujours quelque chose à nous apporter. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Délivre-nous du malin, délivre-nous du mal. Ça veut dire que dans une prière, il doit aussi avoir un temps de combat spirituel. Chaque fois que tu pries, tu dois avoir un temps où tu combats toute œuvre satanique, toute œuvre diabolique qui se prépare contre toi. Tu envoies le feu, tu envoies le feu, tu envoies le feu, tu envoies le feu au nom de Jésus. Ils disent que vous allez lier sur la terre, sera lié dans les cieux. Le sujet des prières d'aujourd'hui, lundi 18 décembre 2023 est... Père, je te prie de me délivrer du malin, du diable et de ses œuvres au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous lisons Job chapitre 15. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué. Voilà, cher peuple de Dieu, ce dimanche 24 décembre, ce sera un culte spécial dédié aux enfants. Donc, si vous êtes dans la zone ou bien vous voulez venir de partout, rejoignez-nous ici à Tourcoing.
à partir de 10h. Voilà, tous les dimanches à 10h, nous sommes là pour les cultes. Et ce dimanche 24, ce sera spécial culte pour les enfants. Voilà, donc rejoignez-nous à partir de 10h. L'adresse 48 rue Saint-Omer, 59200 Tourcoing. La parole de Dieu sera prêchée pour tout le monde. On va prier pour les malades comme d'habitude, mais les enfants seront à l'honneur. Ils vont recevoir des petits cadeaux, ils vont faire des sketchs, ils vont faire des récits bibliques, des chants et tout ça. En tout cas, nous allons glorifier le Seigneur ensemble. Rejoignez-nous. N'oubliez pas, cher peuple de Dieu, nous avons la retraite spirituelle de fin d'année ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Le samedi 30 décembre, c'est à partir de 14h30 la prière, jusqu'au soir à 18h30. Après, il y a les entretiens pour ceux qui veulent parler avec nous. Donc, vous pouvez venir de partout participer à ce programme. Le lendemain, dimanche 31, n'aura pas de culte le matin parce que le soir, on va faire la veillée jusqu'au matin. Donc, à partir de 21h30, dimanche 31 décembre, nous serons ici pour faire la veillée pour entrer dans la nouvelle année et ce sera en direct sur nos différentes chaînes. Et nous allons jusqu'à 5h30. Après, on va partager un repas ensemble et tout le monde pourra partir. Donc, si vous êtes loin, vous pouvez réserver vos chambres d'hôtel et puis venir voilà, en famille ou bien seul ou bien en couple fêter la fête de fin d'année avec nous dans la prière. C'est important. Alors, notre contact 0033 7 51 51 25 16. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp pour qu'on vous donne les informations sur les hôtels qui ne sont pas loin de là. Voilà. Et si vraiment vous ne pouvez pas venir à partir du samedi, ben vous pouvez venir le 31 nuit juste pour la veiller. Voilà, faire la prière avec nous et puis retourner. La haute tension spirituelle, ça continue. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Et ce mercredi, nous serons en direct à partir de 12h30. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.